C'est dur d'être une princesse. Bonjour mon petit Martin, bonjour ma petite Martine, bonjour à vos mères, vos sœurs, vos frères, vos pères, bonjour à la vie. Merde ! Je ne suis pas enfermée dans mon petit studio, ou en tout cas ma petite beauty room en Belgique. Une Belgique pluvieuse d'ailleurs, c'est insupportable. Alors aujourd'hui les amis, tu l'auras déjà vu au titre de cette vidéo et à la miniature. Je vous jure les amis que je suis surexcitée à l'idée de la venue de cette personne. Je vais accueillir cette personne sobrement, c'est un mensonge. Mais attention les amis, car pour vous annoncer ce que j'ai envie de vous annoncer aujourd'hui, j'avais envie d'être accompagnée tout bonnement, voilà, d'une personne de qualité. Elle est belle, elle est brillante. On est les amis sur une star, une icône, une maman, pas ce mytho, une fille plutôt bien roulée. Les amis, elle mérite une entrée en scène digne des plus grands films hollywoodiens. Hollywoodians, movies on a roast. Donc, comme à l'arrivée de chaque guest sur ma chaîne, je vais bien évidemment la faire apparaître de mon cul. Alors Nabila, qu'est-ce que ça fait de sortir de mon cul? Ta schlingue. Bitch, it's horrible. Je suis legit méga excitée de tourner avec toi. Je suis trop contente. Je suis méga excited parce que en vrai, déjà on va trinquer sur cette collab complètement improbable. Pour moi sur YouTube, je suis jamais très à l'aise. La dernière vidéo que j'ai faite, bon ça s'est super bien passé, mais c'est pas là où je m'exprime habituellement. Ouais. Donc forcément, je sais pas trop ce que je dois faire, tu vois, je suis un peu... Mais bon, ça va. J'ai vu ta vidéo avec Léna et je t'ai trouvée extrêmement naturelle. Ouais, après ça va mieux. On est là aujourd'hui parce que faut que j'annonce au monde un projet un peu loufoque. L'heure est grave. L'heure est très très grave. Allez, je remets les choses dans leur ordre. Il y a presque 8 mois, ouais, j'ai eu la brillante idée de crash tester la marque de ta copine, Maëva Guenam. Maëva Guenam n'a pas compris. Tête chouabeuse. J'ai peut-être été un petit peu trop honnête. Aujourd'hui, je dois remercier finalement Maëva. Ah, je dois la remercier. Ah, c'est une bonne nouvelle. C'est une très très bonne nouvelle. Parce qu'elle m'a finalement inspiré un projet. Elle est très inspirante. Elle est extrêmement inspirante. Oui. Elle m'a inspiré un projet. I bet you're not ready. Oh my god. La palette chouabeuse. Non. Si. Nabila, nous l'avons fait. Laisse-moi te présenter cette œuvre d'art. Et j'ai voulu développer une palette très 90s, 2000s. C'est magnifique. Chouin à buzz avec, bien évidemment, les amis, on est sur des petits strass. Laissez-moi faire un close de ce projet. On est sur le buzz. On est sur un velours, les amis. Des plus grands gars. Un velours baby pink, chouin à buzz en stamp. Regarde ça. Et alors, il y a une surprise à l'intérieur, évidemment. La douceur. La douceur. Je suis sûre que ta fouf a la même douceur. Tu dis aussi fouf? Mais non, mais je parle à Martine, faut bien que je m'adapte. Elle s'adapte, l'heureuse. J'adore. Non, je dis plus la f***. La f***. Il y a tellement la f***. La f***. La m***. C'est mignon. Ah, c'est beau. J'aime bien la m***. Petit trou. Le petit trou, le petit trou, toujours le petit trou. Il y a une surprise, Nabila. Non, il y a tout le gratin à l'intérieur, les gars. Alors, nous avons plusieurs un gratin de chez gratin, là. Je nous ai toutes réunies, hein, tout simplement. All the queen is here. Nous avons la chouabeuse, le phare, Gaël, avec chacun son petit à tout le monde. Maëva, ton chien, bébé. Elle a mis ton chien, mon cœur, regarde. Hermès. Hermès, ma vie. Ma vie. Tu l'as bien fait. Hein. Il est beau, hein. Et attends, c'est des... J'ai mis le sac Hermès. Je suis juste ici. Birkin bitch, forever. Elle a mis mon meilleur sac, mon meilleur Birkin. Everyone is here. Tout le gratin, les amis. Une belle brochette de chouabeuse. J'aime beaucoup le 5G de Kim. Ouais. C'est trop stylé. En plus, je veux bien me faire vacciner. Peut-être que cette palette me colle au bras. C'est très bien. Voilà meuf, aujourd'hui j'avais envie du coup de te faire découvrir cette palette, mais surtout de se faire un petit chit-chat make-up. Pour qu'on apprenne à se connaître. Ouais. Voilà, parce qu'on ne se connaissait pas vraiment. Ouais. En fait, que à travers les réseaux sociaux. On s'était parlé un petit peu, mais on s'était pas vu en vrai. Et du coup, on va papoter, on va discuter, on va kiffer. The tea is hot. T'es pas venu les mains vides, hein. Tu m'as ramené du petit Nabila. Summer collection. Summer collection. Here we are. D'ailleurs, je vois qu'il y a un petit fard qui est très sympatoche que je vais peut-être pouvoir utiliser pour me faire mon petit liner fumé rose. On est donc sur une toute, enfin, toute nouvelle. Ça fait quoi? Peut-être quelques semaines déjà que c'est sorti. Ouais, quelques vraiment semaines. Début d'été, on est sur la toute South of France, dernière. French Riviera. Ouh, le Riviera Dream, il a l'air incroyable. Oui, je voulais qu'il soit très vivant, tu vois. Oh. La pigmentation. Qu'est-ce que c'est que ça? Même le pigment.
On aime les fards qui laissent une trace sur le doigt quand il se passe quelque chose. Mon dieu, mais même ça en highlighter, meuf, c'est incroyable. Exceptionnel. Tu nous as pris des petits bronzers aussi, putain, j'adore. J'ai ramené les bronzers qui matifient, qui font un teint allé, qui font un teint bronzy. J'ai pris deux teintes sympas, dont la numéro 2 qui serait parfaite pour toi. C'est lequel? C'est celui-là? L'intermédiaire, ouais, celle-ci, la medium. Je voulais faire une collection, tu sais, un peu sympa avec des couleurs piquantes, acidulées. C'est très Saint-Tropez, on va pas se mettre au. J'adore. T'étais pas à Cannes, toi? Non, je venais de me marier, je suis partie en lune de miel. Ah oui, donc j'ai mais pas tu pu étais aller. En France ou plus? T'aurais pu, parce que Cannes, ça dure perpète. Ouais, mais je suis partie depuis mon mariage, je suis partie directement à Ibiza. Excuse-moi. Je suis pas passée par Cannes, c'était sympa Ibiza, c'est beau Ibiza. Mais donc t'as fait ta lune de miel à Ibiza? Ouais. Ouais, j'avais envie qu'on s'amuse, parce que mon mec, c'est pas que mon mec, c'est genre mon best friend, tu vois, mais vraiment pote. Donc nous, on aime bien rigoler et tout, et puis là-bas, on a rejoint des amis, on a rigolé, on a yoté, on a champagné. Excusez-moi, on a yoté. On a yoté. Ouais. Moi, je ne yote pas énormément en ce moment. Je suis pas très yotée actuellement. Hein, voilà. Toi, tu t'es mariée aussi? Je me suis mariée. Oh. Ouais, mais j'ai fait un mariage Covid, donc on n'était pas beaucoup, mais finalement, c'est quoi? C'était pas bien. Ouais, c'était vraiment. Nous aussi, on était peut-être 200, tu vois. Petit comité. Et nous étions 1850. Mais je vais d'abord faire mes yeux. Tu vas faire tes yeux. Donc moi j'ai déjà fait mon teint. J'ai mis un fond de teint. Souvent vous faites ça, genre ouais, la teinte Laura Mercier, translucente, comme ça. Et après vous montrez comme ça. Je sais. Moi je ne fais pas ça. J'ai trop la flemme. Moi j'essaie de faire comme vous, mais bon. Je suis pas du tout professionnelle. C'est un truc qui me saoule. Oh, t'as pris un highlighter aussi. Ouais. Oh, ça c'est bien. Ah ouais, j'espère que tu vas le cliquer. Oh, Jesus Christ. En plus, il est bien golden. J'aime bien quand Jeff Foster il fait. Yeah, girl. Oh my god, girl. Moi je vais d'abord me faire un liner fumé, j'ai envie de faire un liner fumé rose. Pour ça je vais d'abord mettre bien évidemment des bases paupières de chez Atrera Beauty. C'est un des produits que j'ai vraiment kiffé de sa marque à Sananas. Une petite base à paupières. Tu te maquilles souvent toute seule? Non, t'as toujours un mec qui te maquille, qui te fait tes cheveux et tout. Franchement ça dépend, tu sais, alors des fois j'ai pas envie de me maquiller pendant une semaine, j'oublie. Flemme et tout. Parfois on vient maquiller, parfois... Tu sais quand je me maquille moi-même, je me sens mieux. C'est plus moi en fait. C'est pas un glam. Ouais, c'est tu pas te un fais glam. Un fresh look. Ouais. Moi ce que j'aime bien faire moi-même c'est le baking. Oh, t'aimes bien laisser bake. Baking. J'aime bien. Ça fait propre, ça fait un côté genre make-up qui est propre, tu vois. Donc tu te fais le petit baking ici. Et tu le laisses setting ou pas? Ouais. Et d'ailleurs qu'est-ce que c'était que cette histoire quand tu dis qu'on peut pas mettre de la poudre de blush sur son nez? Ouais, c'est vrai qu'on peut faire ça. Mais meuf, bien sûr. Parce que quand tu rougis un peu, c'est pas que tes joues. Ouais. Ça peut un peu se disperser, ça fait un côté un peu cute. Ouais, ça fait un peu cute. Ça en était foutu plein sur le nez. Hein. Plein, oui, non. Après, je l'ai engueulé, elle m'a fait des petits yeux comme ça. T'as pas mis du blush sur ton nez là? Ah, si, tout le temps. Oh bébé. Elle m'a dit qu'est-ce que j'ai fait. Oh petit cœur. Elle est trop chou. Putain mon, on t'embrasse. On t'embrasse ma fouf. Ma fouf. Ma petite fouf. J'adore. Dédicace. Dédicace à ma fouf. Je vais repartir avec l'accent belge, j'adore. On est plus sur un accent allemand par contre. Même son rire est allemand. Ach ja, das ist sehr gut. Ich bin Nabila. Wie halt bist du? Eh oui, mais tu parles un peu allemand, t'as vécu en Suisse. Mais bien sûr. Ich habe Nabila. Du hast der schönste Arsch der Welt. Schrinkschrumpfes, Wolfes, Wittert. Himbosport, Inzwittert. Inzwittert. Bon, je crois que là on est bon, je vais pouvoir poudrer. Oh, je vais me faire un look de chouin, les amis. Un liner, col noir, fumé, rose foncé. Nobody's ready. T'as des teintes un peu nude, non, ici dedans? Oh ouais, y'a que ça. Ah, où je vais prendre le Carla et le Coral. Voilà. Le pentacle. C'est quoi le logo que tu lui as mis en dessous? Au-dessus, un petit pentacle. Ah, c'est un truc... De sorcière. J'ai osé. T'as osé? Écoute, on en prend tous pour notre grade dans cette palette. Oh, c'est vrai. Personne n'est épargné. Moi j'adore, j'ai le birkin. C'est vrai que t'as le birkin. C'est vrai que j'étais cool pour toi. Mais même Maëfa en vrai, je lui ai mis son fils. Ouais, elle adore, elle est trop contente. Bon, alors là. Oh, t'as fait des effets de vagues. Ouais, oh, c'est beau. Ouais. J'aime bien. Ça, c'est le genre de truc que je kiffe. C'est les petits détails qui font que. C'est un peu. C'est pas vraiment des vagues, on dirait du sable du Sahara. Ah, bon, c'est encore ça, ouais. Tu vois, là, c'est bien parce qu'on voit derrière déjà ce qui va se passer dedans. Ouais. C'est bien si vous pouvez voir ça pour les mecs aussi. Tu vois derrière ce qui se passe devant. C'est une bonne idée ça. J'adore. Hein? Là on est sur du vrai pigment. Et c'est vrai que c'est très joli. Mais lol. C'est très très beau. Mais c'est trop beau. C'est tabou d'oreille, j'adore. Non, magnifique. Oh, on va être deux grosses chouins au drift après. Bonsoir. Je peux prendre deux becs s'il vous plaît? Le fait que je prenne ma teinte, ça va pas abîmer mon sac? Bah si. À un moment donné, ton sac il disparaîtra. Oh non. Bah si. Je croyais que t'allais trouver une technique. C'est pas possible. Ce serait chouette hein, par contre des pictos qui ne s'effacent jamais. Non, ouais. Il est quand même très très rose. Hein. Non, mais meuf. Oh.
euros. Par contre, faut blender la meuf. Ouais, 1, 2, 3, blend. Tu sais que si on blende pas, c'est mort. Hein. Est-ce que pour blender, t'es obligé d'utiliser une teinte Mais non, tu peux blender ta matière et puis tu peux créer une transition. Donc tu pourrais par exemple au-dessus créer une transition. Mais là, si tu fais un monophare, t'imagines que c'est ce que tu vas faire. Non, je veux pas faire un monophare. Alors tu t'arrêtes tout de suite. Excuse-moi. Je vais faire un triophare. Un triophare, ok. Donc tu vas partir sur un corner un peu plus foncé. Ouais, là je vais foncer, là je vais mettre cœur. Ah, ça va être beau ça. Meuf, tu sais qu'on a plusieurs trucs en commun. La première chose, on a toutes les deux joué, les amis, dans Hollywood Girl. Applaudissements, c'est cool. Je pense, sans déconner, peut-être un épisode phare de notre carrière. Vraiment, c'était vraiment le top niveau de notre carrière. Et bah, tu sais quoi? On en parlait là tantôt, mais belle période de ma vie. Moi, j'ai kiffé. Moi, j'ai adoré. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré. C'était à refaire. Oh, c'était si bien. C'était incroyable. Qu'est-ce que je rigolais, mon personnage loufoque. Moi, j'étais mariée avec le rep à Caroline Receveur. Avec son daron. Salope. Mais tu sais que les gens, ils pensaient que c'était vrai, hein? Non. Mais si, moi, j'ai plein de gens qui pensaient vraiment que mon père était milliardaire, qu'il avait une villa à Los Angeles. Et que j'étais vraiment mariée. C'est génial. Qu'est-ce qu'on s'amusait. Oh, c'est drôle. Oh, Hollywood Girl, c'était une belle époque. Moi, là, je vais prendre la teinte T-shirt. Ah, la nude. Ouais. Je suis toujours là. Oh, c'est beau. Je vais blender avec ma teinte. Oh, j'ai ma teinte. Mais oui, mais meuf, mais c'est incroyable. On a toutes nos teintes grâce à toi. C'est on te remercie, Gaëlle. De rien, mon amour. C'est sympa de nous dédicacer comme ça. T'as vu ce rose quand même. Oh, c'est vraiment joli, mais en fait, il va très très bien avec ton teint en fait. Toi, tu fais d'abord les yeux. Toujours. Parce qu'après, je nettoie, tu vois, vraiment je snatch vraiment mon liner. Ouais. Vu que j'aime bien le faire au col pour pouvoir le nettoyer facilement après. Donc toi tu fais d'abord tes yeux et après ton teint. Quand je fais du truc où je sais que je vais mettre beaucoup de matière, Je vais tester la teinte de Maïva, tu vois. Vas-y. Oh putain, mais elle est très pigmentée, c'est marrant. Je touche Hermès. Je vais la mettre en top up. Ah oui, tu veux mettre en all over. En all over. Oh, c'est très joli. Mais ça te va bien le rose, meuf. Tu fais jamais des make-up roses. Non, mais pour en trouver des pigmentés comme ça. Mais non, mais la base du eyeshadow, c'est quoi? C'est le pigment. Ouais. Si tu mets et qu'il se passe rien, ça sert à rien. Et pour blender, je vais utiliser un autre pinceau. Imagine qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 roses et purple différents. Ah, mais c'est à l'infini, hein, c'est incroyable. Le Maeva est vraiment exceptionnel, moi je trouve. Ouais, Maeva, c'est peut-être mon phare préféré. Comme quoi. C'est quand même un des meilleurs. D'ailleurs, cette palette, elle est en édition limitée, les amis, je vous le dis tout de suite, ça te va vraiment bien. Franchement, c'est très très beau. Tu sais qu'alors là, j'ai mélangé Maeva, Kim, Manon et je me suis pris la Seychelles pour blender tout ça. Ouais, je te l'ai mis en haut un peu. Ouais. C'est joli ça. Une des parties du make-up que je préfère. C'est quoi? Le bas? Ah, le highlighter, mais oui, mais la base, ça finit tout ça. Qu'est-ce que c'est beau. Ah, tu mets carrément avec le pinceau highlighter. Ah ouais. Tu sais, j'ai essayé plein de pinceaux pour l'highlighter. Ouais. Et ce pinceau balai, il arrive à bien répartir. Mais c'est pas. Mais répète, t'as vu comment il est pinceaux, gros mais... C'est parce qu'il est gros. Ah. Tu vois, souvent, c'est des pinceaux balai, ils sont tout font pas de paquet. Ouais. Ah ouais, ok. Ouais, mais putain, c'est très joli. Hein. Oh, j'adore. You see. You're glowing. Like, oh my god, j'adore. J'aime tellement le highlighter. Ça fait partie de mes produits make-up préférés. Je les aime tous, mais le lighter, ça te fait fraîche en fait. Que ce soit la journée, le soir, t'en mets, tu te sens bien. Donc là, tu peux affiner un peu le nez, t'en mets un peu sur les lèvres. Tu en mets sur le nez aussi, non? Ouais, je mets sur l'arête du nez. Un peu la lumière, j'en mets sur les lèvres, du coup, je mets là aussi. J'adore. Je veux vraiment un truc, tu vois, simple, non, avec une palette de rose, il y a moyen de faire des trucs simples. Ouais, exactement. Meuf, alors attends, autre chose qu'on a en commun. Exceptionnelle cette info. T'as été Miss Salon de l'Auto. Ah mince, ouais. Moi aussi. C'est vrai? Toi pour Peugeot, moi pour Smart. Oh! C'est vrai? Ouais, meuf. C'était quelle année? J'avais 18 ans. Et c'était où? C'était en Belgique, à Bruxelles, pour le Salon de l'Auto. Ah, vous avez le Salon de l'Auto, vous aussi? Bien sûr, comme à Genève. Voilà, ah. Bah ouais. Mais il y a plein de choses comme ça que les gens se doutent pas forcément. Comme par exemple, t'as été en Corée du Sud à l'âge de 15 ans. C'est pas vrai? Si. J'étais dans une agence de mannequins, ils m'ont envoyé 2 mois en Corée. C'est là où j'ai appris l'anglais, les gens me disaient, mais t'es presque bilingue et tout. Ben, en fait, quand on m'a mis à 13 ans là-bas. À 13 ans? Ah ouais, j'avais 13-14. Et ben, j'ai appris l'anglais, je suis restée 2 mois à Séoul, la Séoul Tower. C'est incroyable. Et après, j'ai appris l'anglais sur le tas. Avec les autres mannequins, je pouvais pas communiquer. Il y avait que des brésiliennes, des russes, des anglaises. C'est incroyable. Donc, pour parler, j'ai appris l'anglais. C'était la langue qui nous réunissait tous. Et donc, quoi, tu vivais où? On avait des appartements pour mannequins. Et tous les jours, on venait nous chercher en voiture, on faisait les castings et tout. C'est dur, non? Ça devait être dégueulasse. C'est là que j'ai dit, je veux pas être mannequin parce que j'ai pas envie d'être un numéro. Je voulais être une personnalité. Je me disais, j'étais plus qu'un
physique, tu vois. Finalement, je suis rentrée chez moi, j'avais 14 ans. J'ai dit à ma mère, je veux pas être mannequin, je veux être autre chose. Je veux être moi. Je veux être une star, bordel de merde. And she did it. Toi aussi, t'as fait ça, non? Non, moi j'étais sur plein de couvertures de magazines, moi j'ai même fait le Playboy et tout, meuf. Tu sais que c'était mon rêve dans les anges 5, même dans les anges 4, c'était mon rêve, je voulais faire couverture Playboy. Eh bien, j'ai fait la couverture du Playboy. Et d'ailleurs, c'est une des premières couvertures sans sein. Non. C'est juste un portrait. Non. Jamais vu, ouais. J'ai dit, par contre, je veux bien le faire, mais c'est ma seule et unique requête. Je veux pas mes seins en couverture du Playboy. Moi, j'ai dit, je veux bien le faire. La seule et unique requête, c'est qu'on voit mes seins en couverture. Tu vois qu'on se ressemble quand même. C'est même pas qu'on a tellement de choses en commun. C'est tellement pas con. C'est ça? Non, je ouais. Te connais pas. Mais parce qu'en fait, t'as fait d'abord l'amour. T'es aveugle. T'es très jeune. J'avais 16. Hein. T'avais 16 ans. T'aurais même pas pu participer en vrai. Ouais, quand on y pense, c'est complètement fou. Et ouais, j'ai pris un autre passeport et tout. J'ai dit, je veux faire de la télé. J'aimais trop les caméras. J'adore, c'est un faux. Non, j'en ai un vrai, mais je rajoute. Ah putain, ok. Tu sais, avec le fond de teint, ça te les étouffe. Ouais, c'est vrai. Et je les remets. Putain, mais en fait, je me suis toujours dit, waouh, c'est beau ce point de beauté qu'elle a là. Non, je l'ai. Mais je le rappelle. Ah ouais, t'as raison, ouais. J'adore les points de beauté, moi. Je suis très marine. Et ouais, et après, Hollywood Girl, c'était bien ça. C'était fun. Ça, c'était. Ça s'est arrêté il n'y a pas longtemps, je crois. Bah, j'ai fait la dernière saison. C'est vrai? Ça date quand même, hein. Ça fait plusieurs années. Hein. On termine ce look de grosse chouin, les amis. Je me suis fait un petit liner, a little pink liner, avec le blush, c'est la teinte médium, donc de la collection Summer Ho. Ah, j'aime trop. Non, c'est bien, t'as bien avancé. Ouais, t'as vu? Ouais, c'est la magie. C'est rapide. Ah. J'ai déjà mon rouge à lèvres et tout, c'est incroyable. Hey. Donc voilà, en tout cas, mon meuf, j'ai passé un super moment. On a bien rigolé. Ouais, c'était drôle. Merci en tout cas merci de valider ma palette. C'est cool. Buzz. J'adore. Ça me fait vraiment kiffer. Allez. Tes produits sont extraordinaires. La collection Summer de Nabila, dispo bien évidemment sur son site. Je mets tout ça en barre de description. Et bien évidemment, la palette Chouin Buzz en édition limitée, les amis. Je suis heureuse. TDS, trop de sentiments. Merci meuf, franchement. Merci bisous les gars, les amis. Et merci de m'avoir reçu sur ta chaîne YouTube, j'adore. Et surtout merci d'être venu. Voilà. Bisous les amis, on vous embrasse très fort. Ciao, gros bisous. Ciao. Non mais allô quoi. La 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 la.